on était encore dans le cœur. Du coup, bah c'est la suite, quoi. Ouais, c'est bien ça, je me suis fait spoiler de cet endroit-là. Après, c'est pas parce que je me suis fait spoiler que je vais y arriver tout de suite. Genre là. Ah mince. Du coup, t'as fini le jeu. Et tu fais toutes les faces, Fred. Non, non, enfin, j'ai fini le jeu. Si tu veux dire que le sommet, c'est la fin du jeu. J'ai été obligé de chercher des cœurs pour pouvoir atteindre le cœur. Donc j'ai déjà refait pas mal de niveaux juste pour ça. Oups. 16. Je ne sais pas, je te crois. Oula. Ah là là, mais comment j'ai fait? Comme ça, c'est plus simple. En espérant qu'il n'y ait pas genre une fraise coincée là-haut, non, c'est bon. Ok. Hop là. Ah, presque. Ouais, paraît que c'est l'enfer. Mais tant qu'à faire, oui, hein, on fera le DLC. Zut. Il manque 16 fraises sur les 175. Sachant que... Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être le compte à l'heure actuelle. Oh non, 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 non. Gentil comme le compte. Ouais, mais c'est pas du combat. Ah mais un pic là. Ah mais d'accord. Bah non. Ah, bah dès que je meurs, faut que j'aille ouvrir mon chat. Oui, j'arrive. Oh, c'est bon. Du coup, je sais plus sauter. Mais non, mais d'accord, oui. J'attends toujours le plus longtemps possible, alors qu'en fait, non. Plus j'attends, plus c'est dur. Il appartient à qui ce chat?
Attendez une seconde. JDG 4. T'es sub chez JDG. Hop. Ah bah non, parce que là, oui, non, d'accord, là, faut pas que j'attende trop, ok. Oui, on t'a offert un sub, donc t'es sub. Ah! Punaise. Pourquoi j'ai voulu redescendre? Parce que j'ai vu des flammes rouges. À quand les modes de mon chat? Bah moi je suis pour, Snowball elle dit ouais mais c'est... Ça va être moche. C'est moche les photos pixelisées d'animaux et tout. Oula. Donc je sais pas, après je saurais pas vraiment faire une emote moi-même. Donc si elle me la fait pas, ça va être... Ça va être à la rage. Quoi? Il y a une face B là aussi? Ça dépend, regarde le chat JDG. Ouais, bah il a une belle tête de vainqueur, comme on dit. Ah oui, mais non. Mais il est pixelisé pas. Ouais, mais voilà. J'y réfléchis pour une pour un sub tier 2, tier 3. Je vais quand même pas remplacer le plop. SB débloqué, ouais. D'accord, on nous force à avoir la phase B ici. Et ici, on est un peu ralenti. Toi, Barbu, t'avais fait quoi? T'avais fait sur Céleste? Quoi? Ok. On verra ça après. Ça y est. Ah. Ce qu'il y avait dans le cœur. Tellement vide et immense. Ah. Et pourtant, un peu nostalgique. Et apaisé. Ah bah non. Ah si. Bon, pas
au final, c'est vrai qu'il restait plus que 10 minutes, j'aurais pu le faire à la suite. On a le cœur de la montagne. 5 morts? Ouais, c'est ça, c'est... non, stop! Ok. Et ça, c'est farewell, c'est ça. Adieu. Ah. Ouais, mais par contre... non, farewell, par contre, je le ferai en dernier, je pense. Ou je sais pas. Mais pas tout de suite. Alors, j'ai une fraise. Là, il me manque une fraise. Ah. Il me manque une fraise ici, d'accord. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence les phases B? Est-ce qu'on essaie de se 100%iser le tout? Genre, le cœur du sommeil, ses fraises, et la fraise du cœur. Et voilà. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Oui, ben en fait, quand tu finis la montagne, le sommet, que tu arrives au sommet, t'as le générique. Je crois, je suppose que le générique c'est ça, l'épilogue. Et après, t'as ce niveau-là qui se débloque. Mais pour pouvoir y rentrer, il te faut 4 cœurs. Il te faut 4 cœurs. Et du coup, si tu sais pas qu'il y a des cœurs et comment les récupérer, ben... il faut mieux faire les phases C avant le chapitre 9, ouais. Ouais, les cœurs sont bien cachés, oui. Certains mieux que d'autres, mais on va dire bien cachés. Bon, allez, je vais enchaîner là-dessus. On va juste prendre cette fraise-là. Si on la trouve. Genre là-haut. Est-ce qu'on est revenu de là? Ah zut. Bah après, si tu les as trouvés de base, les cœurs, pourquoi pas, mais... mais pour la plupart... sont plutôt durs à trouver. Dans un... Surtout la première fois que tu fais les niveaux. Après, si t'as fait un peu les fraises, peut-être que tu les as eues. Attends, mais... J'ai déjà loupé la fraise. Ah bah oui, puisque là, du coup... Tu vérifies si tu trouves la VOD. Elle est pas sur YouTube? Oups. Oh non, 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 ne meurs pas. Sinon, faudra que je le reprenne un jour ce jeu, oui. Surtout si tu l'as pas fini. Supprimer ta chaîne. Oui, oui, bien sûr. Non. Non, là, j'ai besoin d'aller en hauteur, hein, en plus avec le dash. Je me croyais mort, du coup j'ai commencé à regarder le chat et en fait je me suis fait rattraper. Et du coup je dash n'importe comment.
Ok, on peut éviter un dash en faisant ça. Hop là. Ah. Mais maintenant qu'il me reste plus qu'un âge, si c'est faisable, c'est faisable. Oula, oula, oula. Après, c'est plus confort quand il reste un dash pour faire ça. Du coup, il m'en reste 15. Retour à la carte. Oui. J'ai déjà fait tout ça demain en plus. Du coup, merci pour le GG. Mais du coup, il reste plus que le sommet. Je sais pas c'est quoi ces crânes Ch'toulou là, rose. Est-ce que c'est les crânes de la face B peut-être? D'ailleurs. Adieu. Oui, il me semble qu'adieu, enfin farewell le DLC, il n'y a pas de face B, C. Et là, il n'y a qu'un seul endroit de mort. Du coup, on dirait que le Ch'toulou, c'est les faces B. Du coup, bah, le sommet. Hein. Il reste plus que lui. Oui, tu peux partir dès que t'as trouvé ta fraise. Ouais, et je l'ai fait en une fois, les 823 morts. Ouais, non, on demande la face B, effectivement. Alors. On va s'est reparti pour un petit tour. Alors là, on a dit... Les deux premières, je les ai. Genre... Et pareil, tu peux aussi... Tu peux aussi partir dès que t'as pris le cœur, quoi. Tac, tu sais te repérer les fraises aussi. Là, il y a des trucs à gauche. Ah, ok. Redémarrer le chapitre, ça me fait redémarrer. L'endroit. Là, d'accord. C'était marqué quoi? Redémarrage rapide, LR, appuyez sur plus. Ok. Donc on s'est gentiment fait spoil que le cœur était dans la première partie. Donc on y retourne. Hein. Ah zut. J'ai l'impression qu'il y a... Une faible gravité ou quelque chose comme ça. Alors pour le moment il n'y a pas. On va se remettre là. Non. Ah, je suis allé trop loin.
Non. Ça, je crois que c'est une fraise. Je ne sais plus. Ça, il me semble pas que... Il me semble que c'est pas facile à atteindre, en tout cas. Ah. Non, mais je vais trop à gauche à chaque fois avec juste... Les dashs là. Oui, j'ai vu le passage, mais... Ouais, je crois que j'avais fait ça en plus. Donc là, il y a une fraise. Que j'ai déjà eue. Non mais non. Wait. Non mais non. Je fais n'importe quoi. Ouais non. Wait. Est-ce que ce serait ici? Cette hauteur là, l'hauteur d'en dessous, ça me paraît très bizarre, mais pourquoi pas. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Les deux fraises ici sont faites. Laquelle est la plus simple? Celle de droite, je crois. Mais non. Ok, donc on est à la 2 et 3e normalement. Oups.
Ouais, ça c'est la quatrième. Là je l'ai déjà loupé le cœur théoriquement. Ça, je me souviens. Ah, j'y étais presque. Sérieux? Et que je pourrais aussi revenir à la base avec cette fraise. Dans l'idée, elle me sert pas à grand chose. C'était la première. Ah, il y en a peut-être en fait par ce passage là. Comme la dernière fois là, je sais plus quel niveau c'était mais... Voilà.
On va dire que s'il n'y a rien d'autre. Ah zut. Suffisait de lâcher sur la droite et c'était réglé d'un nom. J'en ai déjà loupé une. C'est pas grave, il m'en reste. Il m'en manque trop. Là, voilà. Ah bah non. Oups, non. Non. Là, j'ai la première. Mmh.
Non, j'y étais presque. Soit la première, soit la 3/4e. C'est bel et bien la première. Donc là, le dash fallait pas. Mais non. J'oublie de m'utiliser la gâchette pour m'agripper tout simplement. Ah! Ah zut, presque. C'est bien là le passage pour l'atteindre ou... Non, non, faut que j'aille par la gauche. Hein. Ah, là, j'ai trouvé. Ok, donc maintenant il y en a deux que j'ai déjà, puis une. Hop. Zut.
Non. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. En même temps, ce niveau, je le découvre. Passer par la gauche et en haut au début. J'étais arrivé par là. Donc celle-ci c'en est une. C'est la suivante, on va dire. J'ai la flemme. Même si les dream blobs ou je sais pas quoi là. Ils sont très agréables à... Oula. Passer au travers. Alors... Voilà. Fraise, elle est censée être là. Hein. Ouais, non, mais je vois pas d'endroit. Non, c'est ça là à droite. C'est le niveau de la neige qui est à droite et un bloc que t'as envie de péter et que tu te fais prendre avec elle. Bref. Là j'en ai un et il m'en manque deux après. Donc j'ai celui-là. Ouf. Elle est un peu fourbe cette fraise. Ah bah déjà celle d'avant que j'ai pas eu, je le qualifierais elle aussi fourbe si je retrouve mes mots. Sont vraiment planqués. Non, pas en haut. Quand même pas. Putain. Et c'est quoi l'indice qui me dit que j'ai le droit de descendre là? C'est cette petite croix là? Faut que j'aille tout droit. J'aurais dû sauter avant de lâcher. Thank you.
Non. Non mais... Ah et du coup l'autre est là, c'est ça? Elle est bel et bien là. Et encore moins d'indices. D'abord, et on tombe ensuite. Ok, c'était pas mal. J'ai aucun plan. Dust Bunny, c'est les... C'est le limon. Bah ouais, c'est pas un indice hein. À mon avis, ce n'est pas un indice vu que dans tous les autres niveaux, il y en a pas non plus et on meurt quand même parce que c'est du vide. Et là, il y en a pas en bas. Hein. Je pensais que ce serait une nouvelle salle. Alors là-dessus, ils sont fourbes. Bon, ça sert à rien de passer par en haut en premier. Je peux prendre celui de droite. Ça me change pas grand-chose. Faut surtout pas que je touche celui d'en bas, mais ça va. Après, je monte là. Ça fait que j'ai utilisé un dash. Ouais, je suis obligé de prendre le truc avec le dash. Ouais, les trucs noirs. Donc, Dust Bunnies. Et après, j'ai tout là-bas. Oups. Ouais, et là j'aurais pu remonter par exemple. Ça c'est la merde. En plus j'ai utilisé un dash donc c'est fou la merde. Mais non, j'arrive trop. J'ai déchiré pour rien.
Hop. Non, je peux pas me réagripper. Il suffit que je me mette tout en haut et je double dash hein, si je fais ça. Faut arrêter les diagonales, c'est pas bon pour la santé. Comme ça, ça m'a l'air un peu mieux. Mince. Songer tout ce mur-là, c'est mieux déjà. Bonjour Minette. Ah, tu montes sur les épaules. Par là. Ah mais non. Bon, on va y arriver avant la fin de cette VOD. Non mais en fait pas. Oh. Pour faire disparaître plus vite les blocs gris, tu peux faire un petit saut. Ah oui. C'est logique. Après faut pas se louper pour récupérer. Là j'ai fait n'importe
que je réussis. On va le récupérer lui. Ah zut. Bon. Quand je reviens, par où il faut que je passe? Si j'ai un tâche, je m'arrête sur la plateforme en haut à gauche. Après mon dash. Et je saute au milieu. J'ai du mal à voir en fait à quel moment faut que je prenne... celui juste au-dessus là. Parce que genre là, je peux pas la... tu peux pas agripper un mur, c'est dommage. Et genre là, je me sacrifie tout le mur si je monte comme là. Là, j'aurais pu revenir en arrière à gauche. Et j'aurais eu le temps de réfléchir et je crois que c'était pas mal. Là, si j'avais pu prendre... Si j'avais pu prendre le petit... bleu à l'aller, ça aurait été bien. Je vais même plus aller à droite là. J'ai gâché ma porte de sortie. Ouais, d'accord. Ah, oh, j'y étais presque. Bon, désolé petite rune. Mais mes épaules, c'est pas un nid. Voilà. Je pense que c'est un endroit trop précis pour que tu m'aides. Direct, c'était bon et c'était bon. Oh punaise. Ouais.
Maintenant, la double flèche, elle est ici pour les chargements. Et non pas la serrure. J'aurais pu remonter en vertical et ça suffisait. Punaise, c'est chaud. Non. Allez, ah zut. Bili-bili. Si je le loue. En fait, le truc, c'est que t'as aucun endroit où te reposer pour analyser ton chemin de retour si jamais... Punaise! C'est un peu mort. Si la route c'est vraiment pas ça, dites-le moi parce que là. Aïe. Ah punaise, j'ai utilisé deux dash. J'ai dit que si je l'ai pas, c'est pas grave, c'est sûr non pas. Comme ça, le vrai passage pour le prendre. Pas de bonne route, mais t'en prends une 6 millénaire. Chien, non. Ah. Bon, déjà, si t'en prends une 6 millénaire, c'est déjà pas mal. Ah, zut. D'ailleurs, je crois que je t'ai pas demandé, Magda, mais... Tu joues où, à la manette ou au clavier? Quand j'avais posé la question, on m'avait dit les speedrunners sont plutôt clavier. Même si pour la plume, on sent bien que la manette... Non, j'y étais, j'aurais dû aller à droite, j'aurais dû aller tout à droite, le truc il m'attend en bas. Ok, non. Manette.
J'utilise des pads pour me diriger. Ouais, ouais, bah... Dès que j'ai commencé à le streamer, on m'a dit, ouais, non... Je regrette de pas avoir utilisé des pads dès le début et tout. Donc, je me suis très vite mis au des pads. Et j'avoue que, vu que les sauts sont tous... dans les 8 directions du D-pad. Ça fait sens. Enfin! Oui! Ouais, t'as pas investi le temps pour t'habituer au clavier. Ah, bon! J'ai la flemme de finir ce niveau pour en plus me taper l'autre moitié de... Mon Céleste à découvrir. Il commence à se faire tard, du coup. J'espère que cette VOD vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.